Bonjour, Valérie, je suis conseillère en images. Aujourd'hui, je m'adresse à ces messieurs et je vais vous aider à répondre à la question « Comment associer les couleurs les unes avec les autres ?» Ce que l'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est les différentes combinaisons de couleurs que vous pouvez faire sans faire de faute de goût. Tout d'abord, nous allons voir ensemble les couleurs complémentaires. Pour marier les couleurs ensemble, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous mariez des couleurs qui sont naturellement complémentaires entre elles, soit on va jouer l'effet camailleux, c'est-à-dire du plus foncé au plus clair, ou alors on va développer une gamme de couleurs sur des couleurs pastel par exemple. Regardons ensemble comment combiner des couleurs complémentaires. Vous avez deux possibilités qui sont assez courantes. Soit vous utilisez du bleu avec du orange ou du bleu avec du marron, qui sont deux couleurs complémentaires. Soit vous utilisez, et là ça va être de saison, du kaki avec du rouge. Alors, regardons la silhouette que nous avons faite là sur le mannequin. On a un ensemble qui est majoritairement kaki. Et là, on vient ajouter des petites touches de rouge. Et là, on marie ces deux couleurs complémentaires. Sans faute de goût aucune, l'ensemble reste très élégant. C'est la touche de style avec le rouge qui vient dynamiser votre silhouette. Maintenant, vous pouvez faire un camailleux. Un camailleux, c'est un dégradé de couleurs. Là, on va le voir dans une gamme de bleu. Vous portez par exemple un jean en dénim bleu foncé. Vous pourriez très bien y associer une chemise dans les tons de bleu turquoise et de gris. Vous pouvez ajouter un pull qui se mariera parfaitement avec ce camailleux de bleu, ou si vous le jugez trop coloré pour vous, vous pouvez opter pour la solution bleu marine. Et à ce moment-là, vous voyez, vous restez dans un ensemble extrêmement harmonieux, sans jamais dépasser les fameuses trois couleurs. On a une autre façon de marier les couleurs, ce sont les tons pastels. Si vous êtes plutôt habitué à des tons doux, des beiges, des taupes, des bleus ciel, eh bien, je vous invite à faire des superpositions et de mélanger vos couleurs les unes avec les autres. Regardez ce que l'on a fait là comme silhouette. Un ton taupe, toujours très clair, associé avec un beige. Et puis, juste pour relever un peu l'ensemble des couleurs, vous ajoutez une écharpe là, toujours dans les mêmes tons bien sûr, mais avec une touche de bleu en plus pour apporter un petit peu plus de fantaisie à votre silhouette. On vient de voir comment marier les couleurs ensemble, vous avez donc plusieurs solutions. Pensez bien à une chose, on n'associe pas plus de trois couleurs ensemble. Ça va faire un peu trop si on dépasse les trois couleurs. Il y en a toujours une qui va dominer et une secondaire. Et puis la troisième, ce sera une petite touche seulement. Voilà, maintenant vous savez comment associer les couleurs ensemble sans faire de faute de goût.